Hop, de retour. Sur Twitch évidemment, Retong. J'ai même pas de temps parce qu'en fait j'ai été confronté à un Advil sauteur. Enfin un Advil, je raconte ma life. C'est sponso. Non je déconne. D'ailleurs Advil, si vous voulez me sponso, je suis là. De l'y prendre aussi d'ailleurs. Par contre je vous le dis, hein. Premier arrivé, premier servi. Hein. Et du coup je sais pas pourquoi, je prends ma plaquette d'Advil qui était pleine et puis hop, je sors le truc et là il disparaît. Incroyable. Disparition de l'Advil, tour de magie. Du coup, je sais pas, il y a une ville qui doit se balader quelque part. Il a sauté tel un. Tel un pou. Ça saute un pou, c'est le gars. Allez, on est reparti pour encore deux courses avec cette guimbarde. Il faut que je pousse des gens. Peut-être que j'ai déjà fait. Peut-être que j'ai déjà fait du coup. Ou là ça compte pas parce que c'est pas moi qui ai imprimé le mouvement tu vois. Genre je l'ai fini. Peut-être. On va essayer ça avec un mec Let's go. Oh comment il est passé. Hey il est passé mais comme je sais pas quoi en fait. Mais du coup je suis 16ème hein, au calme hein. Tout va bien. Une porte qui est ouverte pour aérer sûrement. Ça part pas trop en cacahuète je trouve ça va. Il est gratuit. Le rocher extérieur, t'as vu comment ils sont vicieux les mecs. Je vais être un petit rocher extérieur. Ça faudrait que je fasse partir un mec en tête à queue. Non mais c'est un délire les gars. Vous êtes des parpaings. Pas que j'oublie aussi ma victoire. Moi, hein. Je suis passé pas loin de la catastrophe. Je suis 13ème. What the fuck. Ouais, ils sont malins, ouais. Ils sont surtout sadiques, ouais. Allez, ça dégage. Alors, en rocher, en sortie de piste, quoi. En sortie de virage, quoi. Quelle bande d'enfoirés aussi. Bon dixième. Tendu là. Tendu, tendu, tendu. C'est pas du tout la bonne trajectoire. Ah, le rocher. Allez, 9. Hop, on s'appuie. 7. Ah, les premiers je les vois même pas. Quoique. Ah non il est là-bas au bout carrément, je l'ai vu drifter. C'est mort. T'es si quoi là. Quel bâtard. Ah ouais je vais finir genre 5ème quoi. Ah c'est chaud. Ah c'est chaud. Merde, what the... Merde. En plus j'ai vu le mec de devant, c'est qui est parti en deux roues, quoi, tiens. Ah voilà, cette course-là, clairement, je l'ai foiré de bout en bout. Et je recommence. Bon. C'est quoi fallait pas arrêter, quoi. J'ai arrêté, ça y est, incroyable. Allez, on repart sur des bonnes bases. Voilà, tranquille, on était déconcentrés, c'est comme se remettre dans le bain. Quoi de... On se concentre sur la première place, on verra la tête à queue après. Vraiment. Oh mais les gars. Je te dis pas bravo, ah bah non t'as raison. Mais les gars bordel.
Putain, je suis nul. Ah, sucette. Ah, j'ai dû le finir. Parce qu'il est parti en sucette et ça. Ça m'a rien dit. Va manger le caillou, toi. Non, mais ouais, c'est clair, t'as vu. Bon, je fais des erreurs de pilotage, vas-y. Eh, hey, cette voiture, je peux plus la voir. Elle tourne tellement pas, je t'assure, c'est un délire. J'ai l'impression qu'il faut tourner à 22 à l'heure. Putain, le premier est déjà si loin. T'es mort ça. Quel salaud. Tu sais, je l'ai vu, t'es à côté de moi, je me dis bon, il fait rien. Si, si. Ah, l'intelligence artificielle, elle est folle dans ce jeu. Ah bah oui hein, ça arrive pas qu'à moi. Le problème c'est que la victoire là... Je sais pas comment ils passent aussi vite les gars ici. Ah ouais, ok, d'accord. Faut décélérer un peu. Nouvelle trajectoire. Hop. Allez, quatrième, troisième, deuxième, ouais, le premier. J'ai une prime sur moi, on dirait. Les mecs, on dirait qu'on est en Battle Royale, quoi. Ou sur GTA, ouais, quand t'as une prime, c'est vrai. Tout le monde te fonce des. C'était drôle, ça. Bon, bah voilà, objectif, le premier. Mais je pense que c'est compromis, hein. Il me reste un tour pour l'attraper. Un tour. Un tour en esquivant, c'est... Le mec s'appelle vraiment Bowling Kong derrière moi. Enfin, Bowling King, pardon. Et c'est des pseudos de qui? De joueurs de... C'est bizarre quand même. Oh, ce virage tellement de la merde. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais... What? Ok. Ah, il est là, hein. Ah, je pense qu'un tour de plus aurait été bon. Bon, ils sont tous dans le jeu. Regarde, regarde, il est là, un virage, regarde. Ah, la haine. Ah ouais, putain, j'aurais dû bombarder un peu plus. Ouais. Ah, dommage. Bon, dommage, ça va, deuxième, ça va. Ça va, ça va. Pas la mort. Du coup, là, je suis deuxième au championnat, enfin, délire. Il avait trop faim, ouais, de ouf. Eh, le mec qui passait en mode, oh, vas-y, je passe. Maintenant, en fait. Oh, il a tenté, hein. J'aurais pu tenter ça aussi. Ah non, j'avais pas de... Non. J'aurais pas pu défoncer le premier. Du coup, le championnat, j'ai deux courses où j'ai pas eu tous les points. On va essayer de se battre à fond pour gagner le championnat quand même, parce que pas gagner une course c'est une chose, mais perdre le championnat, j'ai pas trop envie, quoi. Allez, go! On est parti, dernière course de ce championnat, et après on ira acheter une nouvelle voiture. Là, il doit sortir en septembre, octobre, Breakfast sur console, une PS4, une Xbox One. Ah ok, d'accord. What? Quoi ce bordel? Ah mais les gars... Ok. C'est bon à savoir, c'était une épingle. Non non non, c'est le même. En fait, faut savoir que Bugbears, donc le créateur de Breakfast là, ils avaient créé Flatout à l'époque. Enfin, on peut remonter plus loin, mais vraiment leur jeu de description c'était Flatout. Donc sur PC, Xbox 1 et PS2 je crois. Après il y a eu Flatout 2, pareil, PC, PS2, Xbox 1. Flatout Ultimate Carnage, qui était un Flatout 2.5, c'était le 2. Donc qui était sorti sur 360. Mais genre avec plein de nouvelles pistes, nouvelles épreuves, donc ça avait le coup. T'avais pas fait le 2 quoi. Même si t'avais fait le 2 d'ailleurs. Et après ils ont fait Rage Racer Unbound, que t'as dû voir, tu sais, Rage Racer là où je peux traverser les bâtiments. Et puis ils ont fait celui-là.
ils ont fait celui-là en fait c'est... Alors, il a été lancé sur Kickstarter sous le nom de Nexter Game en je crois 2015. Du coup il est officiellement sorti là hein, il y a un mois. Mais il est kickstarté, il a commencé à kickstarter en 2015 si je dis pas de conneries. Et il devait sortir sur PS4, Xbox One et PC. Et, et du coup ils ont réussi à avoir le... Non je sais même plus, je crois qu'ils ont loupé leur première campagne, je crois. Enfin, il y a un truc compliqué au niveau du financement, bref. Donc en tout cas ils l'ont fait. Il est là. Il est sorti en accès anticipé du coup sur Steam. Donc je l'ai acheté, etc. Il est sorti officiellement, la version voilà, 1.0 est sorti là il y a un mois je crois. Donc forcément tout a été reset plusieurs fois, la campagne, etc. Et ils ont changé les menus, ils ont fait plein de trucs, ils ont fait plusieurs mises à jour de la physique. Et normalement en octobre, au plus tard octobre, la version console arrive. Donc voilà, je leur fais un peu plus de temps pour développer la version console. Et comme ça l'argent... Ah déjà ? Ah non, on va se calmer direct, hors de question. Et comme ça, l'argent récolté avec la version PC permet d'améliorer le développement et d'accélérer le développement de la version console. Ce jeu est tellement bon qu'il y a des chances que je le prenne sur Xbox One, quoi. Vraiment. Il était tellement tapé des barres, ce jeu. Je le trouve tellement fun, il coûte que 30€ sur Steam, c'est que dalle, hein. Moi, je l'ai payé, il était à 20€ à l'époque. C'est que dalle. Pour le fun que c'est, et surtout, il y en a combien de jeux comme ça, actuellement ? Il n'y en a plus ? Ah, rien ne va plus, non, là, c'est grave. Hein. Je discute, je fais pas gaffe. Du coup vraiment, dis-toi que là, le jeu est pas à fond, en matière de graphisme. Pardon, c'est pas du tout poli. Mais c'était pas prévu. Le jeu de coup est pas du tout à fond en matière de graphisme, je suis en joueur haut, tu vois, genre juste en dessous ultra. Il y a des textures que j'ai baissées, etc. Le jeu en stream, je stream juste sur le même PC, hein, tourne à 60 fps pour le stream et pour le jeu. Je suis bien à 62, 64 fps là, 65. Le stream est à 60 fps. Bon, constant, ça rame un peu des fois, mais ça reste rien d'incroyable par rapport au nombre de voitures et de débris qui est sur la piste. Je t'assure qu'il est dingue. Hein. Il est optimisé de ouf parce que j'ai pas une grosse carte graphique. Hein. J'ai une 1050. Il est vraiment très bien optimisé ce jeu. Vraiment. C'est un délire. Bon, c'est un délire là aussi. On est n'importe quoi. Bah c'est ça, y'a... Hey, Fabien! Heureux. Mais c'est ça, y'a plus de concurrence en fait. Si, y'a Flatout 3 ou 4. Mais attention, Flatout 3 et 4, c'est plus Bugbears, hein. Il est totalement bidon. Vraiment. Oh, j'ai tenté un coup chelou, mais non. Je crois que quand j'ai fait... C'est quand j'ai parlé de Bugbears? Je crois que c'est quand j'ai fait ma vidéo de Breakfast. J'ai fait un vieux montage. Je crois que c'est ma découverte de Breakfast, je crois. Je crois. Je sais plus. Ouais, j'avais testé l'alpha. Et du coup, quand je l'ai acheté, j'ai refait une vidéo dessus sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Et je crois que dedans, il y a un montage avec plein d'images qui... le cheminement de la création de Breakfast. Bon, on est d'accord que j'ai encore perdu. C'est un délire, les gars. C'est un délire. J'en peux plus. On n'a pas le classement du championnat, c'est dommage, on peut pas savoir si c'est celui qui est devant, le premier. Ouais, MotorStorm, ouais. J'ai pas trop accroché, j'ai pas dit qu'ils sont mauvais, tu vois. J'ai pas trop accroché à MotorStorm, je les ferai, clairement. J'ai fait MotorStorm 1, enfin j'y ai joué, j'ai testé. J'ai testé le 2, j'ai testé les 3, je crois. Ouais, Apocalypse, c'est le 3. J'ai testé les 3 MotorStorm. Je suis pas trop fan, en fait, du gameplay. Mais c'est des bons jeux, pareil, ils sont pas vraiment de concurrence, ils sont plutôt cool. Mais moi, c'est pas ma cam, en fait. Et j'ai fait MotorStorm RC. Donc le MotorStorm avec les voitures radio commandées là sur PS Vita et PS3 et les crossplay. Qui est assez sympathique. Il y a du challenge aussi. Et d'ailleurs Drive Club auquel je joue est développé par les créateurs de MotorStorm. Voilà pourquoi il y a le buggy de MotorStorm d'ailleurs dans Drive Club, la voiture bonus. Pacific Rift, c'est peut-être le 2 ou la version PSP. Je crois que le 1 c'est le 1, le 2 c'est Pacific Rift et le 3 c'est Apocalypse ou c'est l'inverse. T'es pas passé loin toi mon pote. Désolé, je sais plus. Ah, c'est peut-être le dernier Pacific Rift. Il y en a plus sur PS4. Il faudrait qu'ils en fassent un. Tu vois, je suis pas fan mais on en a besoin dans le paysage vidéoludique, on a besoin d'un jeu comme ça. Open World, off-road. Là il y a Gravel,
que je vais tester sur ma chaîne YouTube bientôt. Je vais faire une vidéo. C'est une démo donc je la teste. Bon, je suis pas tellement chaud, donc je vais le faire. Il y a Onrush aussi, développé par des anciens de Codemaster, qui a l'air trop fun. Gravel a pas l'air dingue, je vous dis tout de suite. Mais je le ferai. La démo sur Xbox One. Donc je le ferai dès que ma Xbox One sera réparée. C'est un délire, hein, c'est combien de fois que je recommence cette course là. En plus ils ont bien gardé la bande son pour la version finale de Breakfast. Il n'y avait pas de musique avant dans les courses. Du coup je mettais la musique. Mais ils ont bien gardé toute la playlist. Du coup c'est une belle surprise. Bon, ça m'insupporte là. Eh, c'est toujours le même hein, qui est devant, c'est un délire. Genre, on dirait que c'est scripté quoi. Faut faire un truc les gars. Faut faire un truc hein. Qu'est-ce que se passe-t-il? Faut que je check un truc là. On sait pas, mais c'est où? Ah, on peut pas choisir, ok d'accord. D'ailleurs, ça, je peux te dire en avancé, en graphisme, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis en graphisme, t'imagines? Regarde, là tu vois, qualité bon custom, vous pouvez voir par rapport à ce que vous voyez en live, qualité des textures est moyenne. Les ombres sont moyennes, les reflets sont hauts, et qualité texture, filtrage des textures en ultra. Les effets sont bas, les gars, les effets sont bas. Les flous de mouvement est désactivé. C'est un truc de ouf. Il n'y a même pas d'anti de crénelage MSA. C'est un... Et le jeu est beau de ouf quand même. Imagine quand tu mets tout à fond. Même délire que... Non. Pas le même délire. Alimentation. Enfin, je présume l'alimentation qui a lâché. Elle fonctionne, mais la Xbox One se coupe quand tu joues. Elle est à tormer. Ça peut être au bout de 10 minutes, ça peut être au bout de 2 heures. Compliqué de jouer dans ces conditions. Surtout si je fais une mise à jour de la console, t'imagines? Tu vois. Du coup, je sais que c'est l'alimentation se cut d'un coup. Il n'y a plus de lumière dessus. Et je vais le débrancher de rebrancher. Donc je pense qu'il y a un truc dedans. Sûrement de la... Enfin, trop de poussière, je crois. Faut que je l'ouvre, ça fait 3 semaines que je dis ça, mais... Quel talent. Non, mais les mecs, ils sont tellement loin. Ouais, c'était une Ring of Death sur la 360, j'en ai eu 3. Sur 3, 360 différentes. C'est un délire, les mecs. Je vais jamais gagner cette course. Je vais jamais la gagner. Mais le premier est tellement loin. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me pousses comme ça? Je sais même pas pourquoi je continue là. Il reste un tour, je pourrais jamais rattraper. C'est mal oublié le mec. Eh les gars, je... Que se passe-t-il? Allô? Ouais, t'as vu? Faut que je gère mieux mon départ et mon premier virage en fait. Tout est là. Tout est là. Si j'ai le malheur de me faire prendre dans le peloton, c'est mort. On va se passer ici, regarde. Voilà. Là, j'ai ma chance. Mais le mec trace de ouf. C'est un délire. On est à la situation du dernier tour de tout à l'heure, tu vois. Alors qu'il me reste deux tours là. Non! Mais what the fuck, les gars! Les quoi? Oh putain! Oh putain! Bon. Comment dire? Ça fait combien de fois que je passe ici, les gars? 30 fois, quoi. Ouais, t'as vu? C'est vrai, je l'ai trouvé assez hardcore, les mecs. Non, mais c'est un délire. 30 fois, je passe ici, et là, je me plante, quoi. Mais ils sont scriptés, regarde, ils font tous les mêmes choses à chaque fois.
Ah bah ouais. C'est vrai que tu es belge. J'en raconte les Belges. Bah écoute, on va essayer de te faire mentir. On va essayer. On va essayer. J'ai envie de faire une vanne, la Coupe du Monde, tout ça, mais la tellement était surfaite. Et en vrai, j'ai raconté Belges, je m'en fous. Hein. Allez, on bombarde, les gars. Voilà. On a deux tours, grosso merdo, pour attraper le premier. Allez. C'est un truc de ouf, hein. Elle doit être boostée, sa caisse, c'est pas possible. Pourquoi tant de haine de ouf? Après, c'est mon erreur, hein. J'ai trop voulu manger l'intérieur, et j'ai mangé plus que l'intérieur. Allez! Allez! Là, je peux pas tenter, genre, de le défoncer à l'intérieur du virage, quoi. J'aurais pas... Non, je vais passer à côté. Il fait des erreurs, en plus, le mec fait des erreurs, quoi. C'est un délire. C'est quoi cette trajectoire pour... Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est toujours au même point, le gars. Non, mais j'y crois pas. J'y crois pas, les gars. Y'a un délire. Y'a un délire. Ça, je peux me permettre de la perdre, celle-là. C'est mort. Hein. Ah, bah, j'avoue, là, il me met. Il me met la pression, le gars. Bon, là, c'est le bon délire, c'est de se mettre là, les gars. Ah, ouais, là, il y a un peu plus, là. Regarde, je suis juste derrière lui, mais c'est tout le temps pareil. J'ai beau être derrière lui dès le premier tour, ça sert à rien. C'était un russe. Ça, je lui dis, c'est quoi cette vanne? Oui, t'es d'accord. Le seul moyen, en fait, c'est de le défoncer dans le virage. Clairement. Pas vous mentir. Regarde. Mais là je pourrais pas. Je suis sûr que je pourrais pas, j'aurais pas. Si je cut le virage, non. T'as vu comment il est parti en cacahuète? Pourtant j'ai pas l'impression d'être plus proche de lui que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il part comme une balle. Bon, je tente le coupage de virage à la prochaine épingle, ok? Voilà, rien à foutre. Non, mais c'est une blague, le jeu le sait! Mais incroyable! Mais c'est... Voilà, pour la peine. Voilà. Autant foutre le bordel. Ce que j'aime bien, c'est que même le pilote se déforme dans le jeu. Faut aller en extérieur pour le premier virage et prendre trop court, et donc pour repartir, c'est plus dur. Ouais. Ouais, faut que je fasse ça au deuxième tour, parce que le premier tour, je peux pas, parce qu'ils sont tous là. Tu vois. Au premier tour, je fais exprès de me mettre à l'intérieur. Attendez, parce que j'ai pas recliqué en dehors du jeu. Voilà, tac. Genre tout le monde, je crame tout le monde sauf lui. Faut prendre tous les... Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'arrive à rattraper tout le monde sauf lui. Bonsoir, emmerdé toi, je te dis. Hein. Ah, non, dégage. Ah, ça m'a saoulé. Ah, tu m'as saoulé. Pas la même que moi, je crois pas. On va tester pour l'extérieur.
Mais putain! Mais les gars! Les gars, je comprends pas. Des fois, je passe à l'intérieur, je jump pas. On va faire tout là-dessus? Ouais, non, mais je vais faire. Dès que j'arrêterai de me crasher, en fait. Premier tour, premier virage, sûr, faut que je me mette là, tu sais, pour prendre l'intérieur à tout le monde. Comme ça, je prends l'intérieur à tout le monde. Là, d'accord, ok, tac. Au pire, il y a lui, mais c'est pas grave, super, merci, je fais de la merde. Voilà. Et là, au deuxième tour, faut que je prenne l'extérieur, comme tu dis, Fabien. Mais j'ai pas eu l'occasion de le prendre, je me suis planté avant. Et les gars, c'est le fil rouge. C'est un délire. Ah mais je n'aime pas ce jeu, c'est compliqué comme ça. Voilà. Donc. Le truc c'est qu'elle tourne pas cette caisse en fait. C'est marrant, regarde. Cette caisse c'est de la merde, elle tourne pas. Non, c'est mort, tu vois. Eh, je sais même pas où le prendre, comment faire. C'est un délire. C'est un délire. Bon, là, il est trop loin, forcément. Hein. C'est quoi, je comprends rien. Si je le fais au premier, tu vois, je vais le faire au premier tour. Tout le monde va me défoncer, va me passer un attaque. On va le faire. Hein. Mais en fait, c'est la voiture le problème en vrai. Je prends toutes les trajectoires que je veux, c'est la voiture le problème. Elle avance tellement. En fait, elle tourne pas. Je suis obligé de freiner de ouf pour qu'elle tourne. Regarde, elle tourne pas. Bon, ça revient au même, regarde. C'est exactement le même, je suis passé à l'extérieur, je sais pas comment je suis passé en travers les gouttes. Hein. Ouais mais je suis quand même obligé de recommencer tout le championnat. Et ouais. Tu vois. En gros là je suis Keblo quoi. Soit j'accepte de perdre. Soit je donne tout pour gagner. Les gars, j'en ai rien à foutre. Hein. Kamikaze. Hein. Téma, comment il part? Regarde-moi ça. Moi j'ai rien vu, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais je pense qu'il a fait une erreur de pilotage. En tout cas, ça arrive à tout le monde une erreur de pilotage. Ah, j'ai vu que t'as sorti un pavé, Tong. Attends, excuse-moi, je me concentre de ouf. Hein. Je pense bien que là je suis pas bien. Là. Allez, non, les gars, je vous laisse, je vais me péter comme un vieux à cause de ce temps. Qui m'empêche. Il m'épuise jusqu'au plus profond de moi, c'est un truc de dingue. Je suis au bout de ma vie, bref. Merci Tong, bon courage à toi pour ton sommeil. Je te souhaite une nuit reposante. Vraiment. Sincèrement. Et merci de passer, merci de rester, c'était très très cool. Ta bonne humeur, tout ça, comme d'hab. Merci beaucoup, dors bien, et puis bah, la semaine prochaine, j'espère. Tchuss. Et on finit sur une victoire. Enfin quoi. Voilà, ni vu ni connu, c'était sale. Merci Tong. Oh, je dis Tong, c'est ouf. 5100 expériences. Merci Fabien. Merci Tong. Putain les gars, on a passé combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure quoi.
Je suis premier. Allez, on est parti pour acheter un van, apparemment. Attends, je regarde, je revérifie pour pas acheter une bagnole de merde. Il faut une catégorie D, Europe, super van. C'est à cause de ton, juste que tu paries qu'il y a une porte-malheur. Ça, je voulais dire une vanne comme ça. De rien, Tong. Du coup, marché, on va acheter. C'est vrai qu'on peut pas faire ça comme ça? On peut pas. Putain, je peux pas. Désolé, ça rame, hein, mais c'est normal. Il nous faut du coup une D. Break. Break. Compact. Break. Comprends pas. Super van. Il n'y a que des breaks. Les gars, il n'y a que des breaks. Y a pas de super van. De toute façon, je vais même pas en acheter un. Ça coûte une blinde? Choose ton. Attends, course, carrière. C'est un délire. Type super van. Catégorie D. De quoi qu'il parle? Type super van. Catégorie D. Pas chercher par voiture. Type super van. Moyenne. Type moyenne. Y a pas de super van, ça va être les breaks. Hein. Je pense que ça va être les breaks. Il doit parler des breaks. Je pense qu'il parle de ça. Hein. Je vois que ça. De toute façon, j'ai pas assez de thunes. Les gars, j'ai 14 000 crédits. J'ai pas assez de thunes. Bon, bah, super. Super, super, super. Merci, hein, c'est cool. Bah, faisons des courses. Faisons des courses. Faisons des courses. Banger, non, on va faire une démolition, tiens. Voilà. On va prendre la Mustang, j'avais dit qu'on prendrait la Mustang. On prend la Mustang. Allez. Un petit truc de dé... appuie sur C, les trucs. Ok, je ferai ça après. Fabien. Je fais cette course-là, et j'appuierai sur, sur C. Ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais à mon avis, c'est pas ça, parce que tu vois, toutes les autres types de voitures correspondent. Mais super van, tu vois, c'est chelou, hein. Bon, tant pis. On a assez à faire actuellement avec cette voiture-là. Enfin, avec les voitures que j'ai et les courses qu'on a à faire. Ça sera assez pour... Ah, il y en a trois. Ah, merde. Ah, je peux quitter, je crois. On verra bien, de toute façon. Ah, ça ira vite. C'est qu'une course sur un ovale. Ça va aller vite. Ouais, bah, j'ai pas vu. Non, je te crois, Fabien. J'avais pas vu. Je ferai ça après. Aïe. Ok, merci. Bon, les gars, je peux passer. Bah, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé, il y a pas la dernière fois, mais celle d'avant. J'ai pas fait gaffe, en fait. En fait, j'ai acheté le bon type de voiture, mais c'était pas la bonne région. Du coup, j'ai acheté pour rien. Bon là c'est rouge, hein, ça me paraît compromis déjà de gagner. C'est-à-dire que je suis pas dans les... dans les places suffisantes pour gagner. Ouais le seum, ah oui, surtout que la thune t'en gagne pas de ouf, hein. Tu vois le prix des voitures, tu fais ok d'accord. Hein. Faut vraiment grinder. Après c'est quand même sympa parce que tu peux quand même plus souvent... Enfin, tu peux faire souvent la même course, c'est quand même fun, tu vois. C'est pas trop relou, quoi. J'arrive pas à revenir sur eux, quoi. Allez. Voilà, 12e c'est bon. 12e c'est bon. 13e je suis éliminé. 12e c'est bon. Rappelez une place. Bon, on finit 10e, c'est pas dingue pour cette première course, mais on est qualifié pour la suivante. On va vers la demi-finale, c'est le principal. Les chargements sont courts, tout est bien dans le jeu en fait. En fait.
meilleur que tout à l'heure. Non, non, non. Oh les gars. Ouais, ça sert à rien, c'est un ovale, ça sert à rien. Y'a pas de freinage, y'a rien, autant directement recommencer. Voilà, je me suis mis c'est direct ici. Ok, ça marche en bien, merci de passer, merci d'être resté. C'était cool. Bonne nuit à toi, bonne fin de soirée, tout ça, tout ça. Bon week-end, et j'espère à la semaine prochaine. Plus. Là, on est mieux passé. Allez, c'est pas de me pousser. Quoi. Tout le monde passe en bruit. Allez, on y va, on y va, on y va. Bombardons, bombardons. Ah, c'était ça l'objectif. Ah, j'ai du bol. J'ai des choses de guitare. Je passe tellement proche du mur. Bon, je pourrais pas les remonter, mais... Ah ouais, ils sont trop chauds. Tu me diras, vu la température. Je vois l'ombre qui est derrière moi. Il y a une ombre de ouf derrière moi. Ah, j'arrive pas. Ils sont imprenables, quoi. Pourtant, je fais ce que je peux. Hein. Fait perdre du temps ça. Oh la blague, la blague. Ah la blague. Bon, on va quand même en finale, mais oh la blague, la blague 2000 quoi. Le jeu m'en veut dans cette session, le jeu m'en veut clairement. Allez, c'est parti. S'il faut être premier, c'est mort hein. Comment veux-tu arriver à être premier là? Je galère comme tout à l'heure. Oh, le trou de souris quoi, le trou de souris. Là, je suis sixième, c'est bien. C'est frustrant, t'es là, tu penses que tu peux les prendre. En fait, non. Je prends plus large. Peut-être. Tout le monde drift. Voilà, je finirai cinquième. Il y a un freinage devant, c'est de ma chance. Ah, je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne. Il va me gêner forcément, voilà. Enfin, si je peux faire les trois là. Mais non, mais non. Mais non, putain, mais non. Pourquoi toujours dernier tour? Que se passe-t-il dans cette session? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Mais pour que du bullshit. Que du bullshit. Pourquoi tu m'emmènes à l'extérieur? Les gars, que du bullshit. Que du bullshit. Un délire. Bon, en plus, il m'arrive.
Là, quand tu pars 15ème, là, j'ai pas fait le petit, la petite remontée que j'ai fait tout à l'heure, c'est chaud. J'ai 5ème, là, j'ai 10ème. Très très chaud. 8ème. Ah, je rentre plus vite, mais je sors moins vite que. Septième, j'étais cinquième tout à l'heure. Je vais faire ce que je peux pour être cinquième. Ouais. Ah, c'est chaud. Je te rapproche de. La sixième. Non mais tu l'as rattrapé. Là. C'est mort. Cinquième position, je l'aurais pas. Tellement chaud. Tellement chaud. Ok. Voilà, sixième. Ah, c'est pas ouf, hein. 2000 crédits, hein. C'était premier, j'espère que ça rapporte bien, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment pas ouf, quoi. Dommage. C'est dommage. Quelle heure est-il? Encore 10 minutes. 10 petites minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes? On va faire une petite course, un petit truc. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Ah oui, il m'a dit Fabien, allait voir dans le garage, dans le marché. En appuyant sur C, on avait des informations complémentaires. Ah ouais, affichage des infos. Ah, il y a juste la puissance en fait. Désolé Fabien si tu vois cette vidéo, mais en fait, bon. Merci pour ton astuce, mais c'est juste pour voir la puissance et le poids, etc. Ok. Ce n'est point ça. Putain, Butch. T'es con, hein. T'es con, Butch. Il est temps que tu le résilises, putain d'abonnement, non? Merci Butcher pour ces 3 mois. En plus, maintenant je peux faire des badges. Il y a des badges qui sont dispo pour les affiliés, faut que je fasse ça. Mais Butch, résilie ton. Si, résilie ton abonnement, bordel de merde. Résilie ton foutu abonnement! Allez, on va sur un. Je sais pas ce qu'on va faire. On va se faire ça. On va faire ça. Encore le même truc! Ouais, c'est relou. C'est relou, mais c'est une seule course. Vas-y. Merci, Poto. Merci beaucoup pour ton 3ème mois d'affilée. Merci. Du coup, ouais, faut que je fasse. What the fuck? What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? La grande évasion. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Mais what? Ok, d'accord. Terminé à la première position. Ah, faut que j'esquive tous les bus. Mais what? Mais n'importe quoi. Mais ce jeu, les gars. Mais ce jeu. Tellement ouf. What? Oh, y a un carton de bus derrière. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. Ah! Ah ouais. Ah ouais. Ok. Adieu! Ah, tout va bien. Je suis là. Tout va bien. C'est mort. Ouais, mais... Okay. D'accord. On va y arriver, on va y arriver. Tout le monde se cartonne. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Oh
9e. Merci, comme ça je passe plus vite. 8e. Ah, j'adore cette épreuve. Ah, dès que je freine, elle part à droite. Ah, vu qu'elle a une seule roue à l'avant, cette caisse, trop bizarre. On est 5e, on pourra pas finir premier, mais c'est drôle. Très très drôle cette épreuve. Non, non, s'il te plaît. Alors, on va savoir qui est le premier là-dedans. Qui est dans mon tour. Oh le bordel. What? Oh merde. Mais non les gars. Du coup, moi j'ai pas de bol comme ça ce soir. Mais c'est un délire. Mais 12e quoi dans le dernier tour. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh, ce soir le karma il... Un délire. Eh, ce soir c'est un délire. Le jeu m'en veut de ouf. Ok, je n'ai pas fini la course. Je me fais foncer avant la ligne. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il me veut le jeu? C'est des ouf. C'est des ouf. Cette bagnole de merde. Je crois que c'est une voiture anglaise ça. Ah mais tu roules avec ça, ça doit. Je crois qu'ils ont fait des comptes Top Gear avec ça. Top Gear original. Esquivons les crashs, ok. Faisons tout pour esquiver les crashs. Restons tranquilles à l'intérieur comme ça. Voilà. Voilà, c'est très très bien ça. Voilà. En cacahuète, on s'en fout. Alors on s'appuie. Voilà, très très bien. Très très bien. Alors on y croit. Début ça se rattrape, faut pas déconner. Allez, on dirait Shinra Vodan quoi. Parce que synthé plus que ça. Raccourci très simple ça. C'est juste le chant qui change. Allez, trois premiers. Ah, on est bien, on est tranquille. Les trois premiers. Non, non, non. Non, 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 non. Putain de tasse. Mais putain. Ah là là. On va savoir où ils sont, les gars, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est pas les premiers qui se font enculer? C'est vrai, ça. Ouais, dans les cartons là il n'y a pas les trois premiers. Mais putain. Et dans le dernier tour mais les gars. Mais c'est une foutue blague quoi. Et c'est une foutue blague. Ouais bien sûr. Elle fait n'importe quoi. Mais pourquoi tant de haine? Je fais tout mon truc bien, toute ma course bien. Bon, ça me prend l'expérience, ça va. On va la retenter quand même, il est quelle heure? Oui, on va la retenter, ouais. On va la retenter. Putain, je savais pas quoi. C'est génial. Ils ont des idées de ouf. Et on commence l'épreuve, c'est parti. Allez, ouais. Oui, j'ai accepté. J'ai accepté. Je
Allez. Deux secondes. Il y a un truc qui... truc qui m'agace. Deux secondes, tac tac tac. Un câble ici qui m'emmerde. Et je vais faire ça en même temps. Voilà. Allez. On la gagne, ok. Dernière tentative de ce soir. Pour 10 téléspectateurs, incroyable. Bonsoir à vous. Vote ou pas. C'est dernière tentative de victoire. Une voiture de merde contre 24 bus. 23 bus, pardon. Excusez-moi, pardon. Tout se passe bien jusqu'à la fin. À la fin, c'est le drame. Je peux pas freiner en fait. Si je freine, elle part dans l'autre sens. J'ai rien dit. Nos fake, nos francs. Ils sont passés de l'autre côté des bus. Attends, attends. Les bus sont passés de l'autre côté de la route. T'as sûr? Putain! Rien. Hein. J'ai cru qu'il y avait des bus qui étaient passés de l'autre côté. Voilà, ça craint du boudin de ouf. Les mecs driftent au calme hein, avec un bus scolaire. Hein, tout va bien. Et merde. Ah, si je rebondis, je me tape un bus. Donc là, on a le cinquième devant moi. Voilà, et du coup, on va dire que les deux blancs et les deux noirs, c'est les bus que je dois doubler. Voilà, on est bien, tranquillou. Absolument, ça compte pas. Ils sont ces branquignoles. Ce sont les bus que je dois doubler, on n'en sait rien, j'ai des bus, mais c'est pas eux. Toujours 5ème, 4ème, merci, j'ai des bus, merci. 3ème, 2ème, tac tac. Ça rame de ouf. Pourquoi j'ai pas un gros bus? Parce que c'est le but de cette épreuve, c'est d'esquiver les bus, de gagner, mais avec une voiture de merde. Et je vais pas réussir. Je pense que... mais non! Mais c'est une putain de blague! Mais ce putain de jeu se fout de ma gueule! Et ce jeu se fout de ma gueule! Mais ce jeu se fout de ma gueule ce soir! C'est un délire! C'est un délire! 5 fois je fais ma course nickel! Et genre à la fin, il y a un truc de merde! C'est une blague! Et accélère, qu'est-ce que tu fous? C'est pas possible! Il y a 6 putains de tours, il y a 2 virages. Regarde, ça fait 12 virages. J'en prends 11, perfecto. Et le 12ème, en fait, non. Pourquoi ça rame du cul comme ça, là? Non, c'est un délire, les gars, c'est un délire. Ouais, de ouf. Non, mais t'as pas vu, il y avait une cour juste avant, c'était la galère, quoi. J'ai recommencé, genre, je sais pas quoi, 10 fois. Là, je suis à l'extérieur, c'est la galère. Comment tu, je me sens pas en dépression, là? Je suis anxieux. Ça passe? Ouais, ça passe. Bon, allez. Allez, c'est bon, je recommence une seule dernière fois. J'ai dit que c'était la dernière, mais là, c'est... Faut pas déconner. Allez, la dernière de la DR, de la DR, de la DR de ce soir. Ils se foutent de ma gueule. Et là, j'en arrête de foutre. Hein. Je me crache pas, je me fais enculer, peu importe. Ça sera la fin. Ah, faut pas déconner quoi. Là, je suis toujours bien comme ça à l'intérieur. Je m'appuie doucement sur les bus. Pas de choc. Pas de freinage brusque, rien. Là, je suis tranquille. Tout va bien. Il y en a qui fait une marche arrière là-bas. Allez, on y va. J'espère qu'on pourra avoir les bus. Ça serait con qu'on puisse pas avoir les bus après quoi. J'espère qu'ils vont m'offrir un bus. Ils m'ont bien offert la tondeuse. Bon, y a un bus qui est retourné au calme. Allez,
suis quatrième, il y a 3 bus devant, il reste 3 tours. Tout va bien. On reste focus. Alors les mecs sont quelque part. What the fuck? Les mecs sont quelque part par là. Dans le peloton. Ouais. Ah, deuxième, très bien. Où est Dark Kitten? Ah, c'est lui! C'est lui, c'est le noir à ma droite! Doucement, doucement, doucement. On s'appuie au calme. Non, 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 non. Calme-toi. On est bien, on est bien. Il restera un tour après celui-là. Tranquille, tranquille. On relâche. Je suis trop large. Attention qu'il n'y a pas un bus qui arrive à l'intérieur, c'est bon. Là, on est bien. Ça cartonne, on est bien. Hop, dernier tour, pareil. Hop, tac, tac. On touche pas le mur. On freine pas, sinon on repart au sens. On est bien. Voilà, détendu. Il y a un bus en plein milieu. Ok, d'accord. C'est l'apocalypse. Non, non, ça passe. Ça passe. Ah, plus dernier virage qui va bien. Pas de conneries, s'il vous plaît. Pas de bus qui me revient sur la gueule. Et on est premier. OMG. Ah ouais. Ah, cette session a été sale. Ah, mais c'est ça le super van. OMG. C'était ça le super van. Ok. Ah, c'est pour ça que je le trouvais pas. Merci Fabien. Tu t'es pas parti toi? C'était ça le super van, du coup ils me l'ont donné. C'est bon, on a la réponse à l'énigme qui n'en était pas une. Et j'ai pas le bus. Je suis déçu. Mais je pense qu'il y aura une course de bus, clairement. Et il y a encore un autre truc, attends. C'est quoi ça? Ah oui, j'avais pas vu! Les épreuves qui étaient cachées! Incroyable! Hello Billy Rodeo, Demolition Racing Series, Total Net Tarmac. Ok, d'accord. J'espère qu'on aura des trucs encore plus fous après. Écoute, c'était bien sympa, on a Challenger qu'on pourra pas avoir, Pro et World Master. Bon, je pense que le jeu peut se terminer relativement facilement, mais rapidement. Gros frappeur, je suis un gros frappeur. Ok. Bon, du coup, maintenant, on a le Super Van et on pourra faire cette course-là dans une prochaine session. Ok, 10 match change, Death Match Challenge, Super Van, Smash. C'était une grosse session ce soir, c'était cool. Merci à tout le monde d'être passé, on était quand même pas mal, il y a eu Tong et tout, Fabien, merci, la flûte. Merci aux habitués, Vara, etc. C'était bien sympa. Moi je vais arrêter ici exceptionnellement 22h04 exactement. Et je vais dire à ceux qui regardent ça sur YouTube, comme d'hab, d'aller voir dans la description pour tous les liens, parce que tous les liens sont là et ils sont toujours là, mais je le répète parce qu'apparemment il y en a qui n'ont pas compris. Donc Discord, Facebook, Twitter, Insta, etc., etc. Et la chaîne Twitch évidemment si tu peux voir tout ça en live. Et puis voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Mon programme arrivera dimanche. Alors putain, j'espère avant dimanche. Dimanche ça risque d'être compliqué selon ce que je fais. Bref, dimanche, lundi. Mon programme arrive dans ces eaux-là. Bonsoir, gamer 78, 78, 78, 78, 78. Bonsoir à toi. Malheureusement, tu arrives à la fin de mon live. Mais je te salue quand même et j'espère que tu vas bien. J'étais en train de dire que justement, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je sais. Ah, merci pour le follow, gamer. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, c'est cool. Là, les mecs arrivent, follow comme ça. T'inquiète pas. Tu peux. Tu peux me dire quand même. Hein? J'ai pas tout compris, Fabien. Du coup, ouais, gamer, t'inquiète, justement, là, je suis là la semaine prochaine. Alors, normalement, j'ai stream le mardi, mercredi, jeudi. Je sais pas encore, il y a peut-être une soirée où je serai pas dispo la semaine prochaine. Du coup, mon programme, vous le trouverez sur Twitter, vous le trouverez ici dans la description de la chaîne Twitch, et vous le trouverez sur mon Discord. Dans le channel planning stream. Voilà. Donc tous les liens pour me suivre, etc. Twitter, tout est dans la description. Soit de la chaîne YouTube, soit. Ah, tu viens de la communauté de Tong. Ah, c'est cool. Non, tu t'es compris, moi aussi. Ok, d'accord. Ah, c'est cool. Bah écoute, tu le remercieras. Enfin, je sais, je le remercierai, mais tu le remercieras de sa part. C'est cool. Ah, oui, c'est vrai qu'il m'héberge. Il m'héberge toujours, Tong. C'est très très cool. Bah écoute, gamer, si tu veux voir. Ah, vous. Enfin, pardon. Si tu veux voir ce que je fais un peu, tu peux aller soit sur ma chaîne YouTube pour voir les VOD et voir un peu à quoi je joue. Tu verras, il y a du Paladin. Il y a du Drive Club, il y a du jeu de caisse. Attendre la semaine prochaine que je stream entre 20 et 23h, le mardi, mercredi, jeudi. Et mon programme, comme je dis, sera dispo soit dimanche, soit lundi. Tu peux m'envoyer un vocal. What? Ah, c'est des messages que tu reçois? Ah ouais, quand même, c'est chaud. Ah, il joue ?
Aïe, joue. Ça me dit rien. Bref. Bon, en tout cas, merci. Merci à ceux qui m'envoient des gens, c'est très très cool. Merci, grâce à eux, j'ai de la visibilité. Il y a de nouvelles personnes qui me découvrent. Merci. Juste désolé que tu arrives à la fin du stream. Normalement, c'est du 20h-23h, exceptionnellement, c'était 20h-22. Mais voilà. Du coup, tu as tout ce qu'il te faut dans les liens de description. Enfin, les liens de description. Les liens de la chaîne. De toute façon, tu m'as follow, donc tu sauras. Les mecs écrivent. Ah oui, exact, ouais. Oui, ça, je faisais ce jeu-là avec mon meilleur pote. De toute façon, gamer, tu as tout ce qu'il faut dans la description de la chaîne là. Le Twitter, le Facebook, l'Insta, tout ce que tu veux. Je t'oblige à rien, ici on n'est pas des farceurs. Hein. Mais au moins, tu as tout ce que tu veux. Si tu as envie de jouer les touristes et de voir un peu qu'est-ce que je fais, n'hésite pas. Tu m'as follow, du coup, c'est super cool. Merci à toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. J'essaye de vous tweeter des trucs et de vous mettre des trucs sur Discord ce week-end parce que je vais peut-être voir des trucs marrants soit vendredi, soit dimanche. Je sais pas encore, je suis pas sûr. Mais au cas où, il risque d'avoir du lourd en matière d'automobile. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà. Du coup, j'essaierai de vous partager trois trucs. Bref, je vous souhaite une bonne fin de soirée, ou un bon début de nuit, ou une bonne nuit tout court, ou une bonne journée, je sais pas dans quel fuseau d'horaire vous êtes. Et puis, passez un bon week-end aussi, prenez soin de vous, dormez bien, reposez-vous bien, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine, tchuss.